Gardez moi appeler et me souhaite confirmer des informations là. Gabriel Fortuné, c'est étage en l'air dans l'hôtel qui est tombé. OK, en bas, pas tombé. Donc Gabriel Fortuné tout chambre c'est en l'air dans l'hôtel là. Monsieur fin sorti et monsieur dit blé un bagage. Il tourner là le prendre et dans tourner en tout tremblement de terre prendre et information gain. Bon, vous parlez du pont être cassé, pied cassé. Donc li normal. Li normal vous êtes si son caille qui tombé sur vous. Donc li capable de ça mais gagnons vite tout, m'apprendre qui ta fond tête li, peut-être c'est fenêtre. En tout cas, c'est ça nouvelle là, mais ça qui est important, et Gabriel Fortuné mouri et autorité au palais de neuf monde qui mouri dans le sud. Quittez-moi appeler pour nous, demain, c'est la fête Notre-Dame, fête au CAI, qui coïncide tout avec Gélé. Donc, c'est pour nous, il y a un pile monde qui sortit dans l'autre côté, qui allait dans le sud, dans l'occasion, faites ça. Qui est tremblement de terre prend là-bas, ça qui li prend là-bas qui peut-être pas gagné, comme ça tout gagné tout cap victime de événement ça, événement inattendu ça, ça nous pas jamais prévoir, nous pas souhaiter, parce que l'important pour aux questions ça. Donc, parce que chaque haïtien doit regarder qui ça qui passé sous question tremblement de terre là. Haïti, c'est mauvaise nouvelle, moment choc, laissez pas bandit, accident mort pas balle, nous style à pas compter cadavre. Bonjour, bonsoir tout le monde, moi là avec nous pour m'poter une fois de plus, information à nouvelle yo sous pays, moi souhaite bienvenue, mes nouvelles yo en détail. Un mois après départ président Jovenel Moïse, Haïti pral crié encore jodi a ses disparitions tragiques ancien sénateur magistrat encore député Jean-Gabriel Fortuné dans une catastrophe naturelle parti quitter nous théâtre souké dans sud pote aller Gabriel parmi quantité moun qui mouri en bas des combio. Bien avant, Gabo te fait plusieurs interviews dans la presse, surtout avec acteurs politiques, bourgeoisie haïtienne, avec assassinat qui menait opération avec disparition Jovenel là, il te fait en pile gros déclaration sous pays. Après de ça, m'a toujours tendé parler de Gabo, qui salte qu'on fait, qui laisse l'itéye. C'est pour ça m'a invité toutes amis fanatiques nous yo fait de plus entendre interview ça, l'ité réalisé sous complot contre assassinat Jovenel Moïse là, ak dossier économique, mafia, bourgeoisie cap fini ak pays ya. L'ité ak guerrier Henri, yo fait de plus entendre qui j'en sateye Gabriel Fortuné, qui t'a parlé comme ça dans la presse. Mes fanatiques, j'aime toujours dire, continuez à rester ensemble avec nous. Sophia TV 83, Réseau Paola, continuez à faire confiance, abonnez à la chaîne là et de partager information. Yo l'autre ami a toujours capable de rejoindre nous pour capable informer pratiquement sous dernière actualité, surtout ce qui a passé en Haïti, tant qu'un pays étranger. Qui ça explique Gabriel Fortuné par un VE? Est-ce que c'est éducation, mentalité, expérience vécue, ça lié? Et ça va bien se garder. Un tempérament de rebelle assumé. M'assumer avec les conséquences. Oui, c'est ça. Mais pas parce qu'il est plus bon. C'est parce que au niveau économique, il y a des problèmes de précarité, pas exactement tomber là dans comparativement à d'autres intellectuels que vous avez expliqué là. Est-ce que c'est pas ça qui bon attitude ça aujourd'hui? Bon, monsieur, qui aime travailler depuis un petit moment, les paysans, jusqu'à présent, j'ai un bœuf, j'ai un peu pour tous, j'ai une terre, bagaille, etc. J'ai une poche, mais je ne fais pas que d'activité, qu'on achète terre, je vends, etc. Bon, je fais bagaille ça pour permettre de survivre. Jusqu'à ce qu'il me fait hôtel Le Manguier, et hôtel Le Manguier, par exemple, je vais m'entrer dans le système négio. Parce que j'ai un projet pour me faire un bagage plus ou moins moderne, on a un bagage comme pour mal prêter. On a un prêter dans le bac négio. Mais tout le bac, c'est pour rien en Haïti. Encore l'autre bagage mafia, encore. Puis il y a un système microcrédit. Ça, lui-même, c'est une bombe. Il dit poignard, nous, ça va poignard. Ça, c'est une bombe, je mettais sur tête mounio. Jusqu'à 70%. Vous comprenez? Et parce que tout le monde, il n'y a pas prêté mon cob, il y a un système de microcrédit pour le peuple. Là. Encore le peuple, tu machin, pour venir acheter dans le maillot. Il y a alimenté, et comme ça, qui va le sortir, c'est cob et nec de mi-temps. C'est les classes moyennes. Pas une classe moyenne ici. Mais nec de mi-temps, il y a épargné dans le banque négo, et puis il y a acheté du riz, sucre, farine, fait, il y a eu 20 000
bail paquet malaise revend avec une cob qui est le microcrédit même cob là oui et vous allez payer 4% le mois sur lui il faut 48% c'est plus donc ce système criminel lié ce système criminel c'est casé pour casé Gabo je reviens avec la question comment arriver à conscientiser ces VE entre guillemets vrais esclaves pour que finalement n'est pas conscient que action que la posée là c'est contre lui-même et contre classe dit comment les n'est-ce pas dans classe encore n'est-ce pas regardez avec quelle arrogance n'est-ce pas défendre Boulos original Boulos le bourreau des bourreaux d'ailleurs qui participait dans financement dans opération pour assassiner Jovenel ou pas preuve pour ça Gabo avancer des preuves puisque non ça intéressant comme élément Dimitri Vob oui bourreau de bourreau, et puis fréquent, et descend. Pourquoi on voit le jour vidéo, là, on a parlé avec le président. Oui, mais on a parlé avec le peuple à tout. J'allais, qui participait, parce que deux mecs, c'est eux qui ont fait une sorte de simulation avec Bandi, mais comment pour eux, et il est lié Jovenel. Mais il est lié Jovenel là, c'est eux qui ont dit, moi, les petits rebelles, on dit, si on continue à parler dans le pays, mais ne va pas yo alors pays est pour yo sur Duvalier de prédateur mais au même pour pays et puis il dit mais ça capre rien parce que c'est un double message il dit Thibaut Salza t'es fréquent trop mais ça n'a pas fait vivre il fait le vivre librement il humilie et puis le même dit mais ça capre rien alors ouais et on peut même garder d'ailleurs ouais attitude de yo après l'assassinat Jovenel bon il peut même prendre un mois après vous avez commencé à critiquer Jovenel, ou tout ça dit sur les réseaux sociaux, des intellectuels, des gens qui ont des belles plumes. Mais maintenant, où je ne devais de tout, mais la trahie, qui pas contre lit, qui pas barré, etc., qui pas même contre l'histoire d'Haïti, mais qui a une question épidémique, il y a un peu clair, pour traiter la parole, la force des choses, la criminalité, il y a dans l'État tout, qui facilite maintenant et le projet de Dimitri Vob et de Boulos. Pour arriver à rentrer dans la chambre Jovenel. Parce que Boulos avec Dimitri, pas ta carré rentrer dans la chambre Jovenel. Si par une pas de facilité, question ça. Mais c'est ça pour nous comprendre. Parce que pour arriver à faire un complot pour tuer un président avec ses gardes de corps, hein? Maintenant, faut que l'argent va suffire. Faut que nous ayons confiance. Monde qui vient bailler le projet, qui assume le projet, lui dit bah, nous avons toute garantie. Un rien pas privé parce que la justice est pour négo ou elle a fait du doyen la justice est pour négo la police est contrôlée hein qui s'appelle arriver hein et puis comme il va le pouvoir toujours donc je dis même si vous avez mis au métro là pour 2 mois prison si on pas capable de casser prison on va aller maintenant l'un peut pouvoir j'ai habitué fait là on met bandit et puis maintenant on prend une disposition pour mettre bandit dehors hein? Donc, c'est le soyez. Donc, là, je me pour transformer VE. Maintenant, c'est un projet terrible. Bah, comment possible? Mais s'il n'est pas possible, c'est comme si nous avons dit, on a respiré, on a attendu la mort venir. Où qu'on est Haïti, il y a une seule solution. Laquelle? Où qu'il y a une seule solution qui sort du palliatif. C'est que les Américains, pour t'apprendre un pays, en commençant par intervention militaire, on prend pour le bien contrôle le pays. Mais, il y a des courants au niveau des États-Unis qui disent que c'est un pays qui n'est pas fréquentable, c'est un pays. Est-ce que ça vaut la peine? Pas une guerre froide encore pour que ça pour mettre des milliards de dollars, et puis maintenant, et puis des boys américains, il y en a d'autres à mourir, etc. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que je dis, bon, c'est un pays vraiment avec des gens minables. C'est un courant très important aux États-Unis. Maintenant, les États-Unis ont un problème tout avec le reste du monde, la Chine, la Russie, etc., dans la colis pour une bêtise, la bêtise haïtienne. Bon, ça continue à faire réfléchir. Où est blanc, ils mettent un responsable là, un responsable. Daniel Foot. Daniel Foot. Américain, l'Ilal pas là, parce que libre. L'Ilal pas là. Hein? Et puis il pas regarder s'il est capable de bon vieille élection là pour l'obéir à continuer. Parce qu'il n'y a pas qui ça au café avec nous. Parce que c'est avec nous, il n'y a pas de monde. C'est avec nous, il y a fait pays. Oui, problème de monde là. Parce que les Américains qu'on est, on n'est pas capable de continuer avec eux. On n'est pas capable de faire avec eux.
Parce que j'ai essayé avec eux déjà, les VE, ça n'a pas baillé. Mais cette histoire... Maintenant, 1% qui ça le fait. 1% ça l'image pays a de yon en pile. Pour que c'est celle qui a venu là. C'est bien baillé en économie, investissement direct étranger. N'est-ce que l'on a en Haïti, n'est-ce pour clé, criminel. Il fait tout ça possible pour payer sa page. J'aime bien politique d'ouverture sur l'étranger. Et yon mette fatra à la boue tout côté. Yon même yon vann, fait, ciment, duri. Pour étranger, même s'il t'a passé en l'air dans l'hélicoptère, pour dire non, c'est pas côté pour moun vin investir. Yon mette insécurité avec instabilité pour qu'à toujours seul yon même gavann fait avec ciment dans le pays. Donc, bon blanc pour comprendre pour vin na. Monsieur 1% de Gmilatra, yon pas voulu ça. Yo kaze l'état net qu'on a gagné spectacle bon bon des gens qui se disent élite pour imaginer planifier maintenant torture ça a exercé sur Jovenel là comment des gens d'élite hein capable imaginer de telles choses et puis on mettait en application tu étais capable payer un sniper pour éliminer Jovenel c'est si au Libanais oui tu étais capable sauter tu te parlais rien avec Jovenel parce que sinon ça est bon. Ouais, ça libre privé, libre ou la case net, oui. Non, bon, c'est là où sorti. Bon, il ne faut pas retourner. Mais il y a rien à faire ça. Non. C'est ça, mais les VE, les vrais esclaves. Hein? Qu'on a même 1% côté jeudi à intérêt en question, les mêmes tout, il y a un problème. Les baguettes mon en face pour le discuter. Parce que nous tous, il n'y a pas de masse peuple pour le discuter avec eux pour le diable. C'est pas vrai. C'est des mondes de classe moyenne qui a l'école, etc. Et pour ça, par de l'école, qui peut aller défendre l'intérêt master. Et nous tous sommes de vous. Mais nous tous, petit groupe ça, nous travaillons avec vous. Et même pas de gens sortir, non? Donc, nous n'avons pas de sortir, non? Nous n'avons pas de sortir, non? Pas qu'il y ait des gens qui ont dit à cause, ou pas de sortir, pas qu'il y ait des gens qui ont fait bataille là. Non, ça veut dire que, même en face, monsieur, ça n'a pas interlocuteur. Mais qui est cet interlocuteur? Jovenel était seul, et puis maintenant, bah, là, tu as un problème de pédagogie là-dedans. T'as un problème de méthode là-dedans, il était seul, ou ça dans le pays. Le l'autre pour contre il a parlé dans le là. N'a pas assassiné Michel, parce qu'il ne comprend rien. Avec qui est-ce qu'il a assassiné? Ce n'est pas petit Negu qui a assassiné Jovenel, non? C'est frère nous qui est dans l'IGPN. C'est frère nous dans la police, oui. Hein? Qu'est-ce qu'il y a avocat? Non, mais regardez avocat Negu, mais c'est frère nous. Ce n'est pas les gens de couleur non, qui est avocat. Yo. Tribunal, yo doit yo gade doit yo là. Eh? Mais c'est frère nous. Nous tout. Parce que ça n'est yo fait, je dis à capturer contre yo, yo approprié l'État totalement. Yo fait transformer les fonctionnaires de l'État en VE, en vrai esclave. Eh? Qu'on a n'est pas même des monde qui pour se regarder l'intérêt yo, et tout pas mourir dans le film dans tout. Et tout pas mourir dans le film dans tout. N'est-ce vous sans yo? Donc, pas de monde qui peut faire lutte. Accord, qui est-ce? Est-ce que je vais faire accord avec André Michel? Mais André Michel, c'est pour même bah, la bataille avec moi. Pour ça, monsieur, quittez là. Je vais me quitter. Comment vous faire accord avec monsieur pour me quitter là? Je vais mettre le monde de l'île pour me quitter là. C'est nous qui là. Non, mais là, on a certaines préoccupations. Est-ce que ça veut dire que je vais présenter 1% et 99% en matière d'intérêt? Non, parce que pas existé. Le combat fini là, Gabon. 99%, ce sont des aliénés et des vendus. Des aliénés et des vendus. Les 99%. Aliénés. Non, pas bien, ni même avant, nous sommes de 99%. Non, même, je ne parle pas d'exception. Non, je ne parle pas d'exception. Monsieur Café. Bon, radio, vous qui êtes radio, qui est-ce qui a financé radio? Bon, qui est-ce qui a financé radio? Publicité. Une cabo publicité. Mais c'est là qui gagne ma quête là pour bon publicité, n'est pas bon ciment, n'est pas bon fer. Mais je mets un système non du où je prends tout le monde, je prends le monde directement, je prends le monde directement. Si vous continuez à couper publicité, toute publicité, est-ce que vous avez fait un bac, vous dites bon, vous pouvez réfléchir. Mais si vous allez loin, vous n'avez pas assassiné, même la journée. Vous voyez? Mais on a coupé publicité. Le journal des présidents, vous voyez, il va te couper taxes l'État. Il contrôle les taxes. Non, non. Mais on a même décidé de couper. Il a coupé par Gary, il a coupé par Valérie, il a coupé tout. Par Liliane. Liliane même, on est.
Il donne perdu bail, il n'y a pas par là déjà. On? Donc, si nous sommes là, des aliénés et des vendus qui sont au service de 1%, et on peut regarder de la République de Port-au-Prince, qui est-ce qui a passé le fait un petit mouvement? C'est barbecue. La PC fait un petit mouvement, ou pas pour ne pas dire rien dans la journée là. Pourquoi ne pas dire rien dans la journée là? Parce que c'est des aliénés. Et nous, aller plus loin, nous commençons à déshumaniser. Je dis à nous commençons à déshumaniser, nous sommes dans l'aliénation, qu'on en a pris de la déshumanisation. Notre travail pour 1%, sauf que 1% va le perdre tout. Parce qu'un vrai esclave, il n'est pas qu'à défendre tout au bien vraiment. Mais quelque part l'aveugle. Hein? Quelque part l'aveugle. Mais qui possibilité gagne pour nous remédier à la situation ça? Parce que je vais expliquer là, où sont désespérés, je veux dire. Bah, même moi, c'est l'empire des désespérés à Haïti. Vous n'avez qui plus d'argent puis désespéré encore. Parce qu'il dit Haïti va le mourir, il faut le prendre tout. Ou peut-être que les gars commencent à gagner moins, ils viennent plus désespérés. Il dit le Samuel là. Il faut me prendre tout ce qui était à parce qu'Haïti va le mourir. Ce n'est pas gros peuple là, non, gros peuple n'a pas gagné à peine encore, mais il va avoir une conscience. Et avant 1804, gros peuple n'a pas gagné, il a fait le tour de l'objet, mais il n'est pas d'accord avec l'objet. Il n'est pas jamais d'accord avec l'objet. C'est ça qui fait le fait 1804. Mais ça que nous-mêmes, nous transformons tête nous en objet, en aliéné, en vendu. Est-ce que nous avons demandé tout journaliste pour changer d'orientation? Pour faire de grosses émissions de conscientisation. Mais il va couper la publicité, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas récupérer VE, ça aurait les vrais esclaves? Est-ce qu'on n'a pas commencé à attaquer conscience au moins? Mon cher, on va l'expliquer au monde qui passe au CAI. Où qu'on est, de 1984. Et nous n'avons pas qu'un peu qui est 1984 parce qu'il a parlé de nouveaux contrats sociaux. Nous pensons qu'entre 1% et nous-mêmes, nous allons finir une offre politique pour le vivre ensemble, pour nous continuer à vivre ensemble. Mon cher, mes amis, nous considérons qu'il qui a travaillé dans le 1984 comme cadre supérieur. Gary Victor, Gary Victor, comme cadre supérieur. Monsieur, il y a un problème ordinateur crasé ou bien tombé en panne. Monsieur, pas un cob. Monsieur Alcout, à peine même vous me citez non. L'apte avec vous à peine, oui. Du 54. Et puis il dit, ordinateur casé, il dit, à peine pour le ballon. Et pour le ballon prêt pour l'acheter ordinateur de l'immédiat, parce que l'apte avec vous, n'est-ce pas? À peine ballon rendez-vous. Et il raconte ça. Là, à peine ballon rendez-vous, le livre devait à peine dire, bon, Gary, depuis la trois bonnes livres, ça on fait avec comme livre ça. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur là? Les gars, Victor, depuis la loi de Bonne-Lie, ils ont fait avec comme ça. Il y en a qui travaillent pour lui, mais c'est arrivé qu'à tout. Ordinateur tombé en panne. Mais Gary Victor en plus. Gary Victor, bon, monsieur, il n'a pas dit comme là dans les médias, c'est pas vrai. Et puis maintenant, il dit ça le fait avec comme les vieux. Et puis le gars, il explique ça, mais les gars, où on est ça, c'est pas. On n'a pas fait un enseignant avec eux. Mon chef, on a une troisième voie, oui. Nous même des places moyennes, parce que nous ne pouvons pas continuer à boire ça. Gary, mon cher, enchanté. Gary dit, mon cher, il faut nous être en contact, il faut nous créer une troisième voie. Il se trouve que je dis à Gary, notre MTV avec Général Boulos. MTV avec Général Boulos. Beaucoup de choses comprennent ça. La troisième voie. La troisième voie. Alors, vous êtes un qui va troisième mois sorti. Vous passez, dis-nous. Vous êtes un qui va troisième mois sorti, nous. Qui s'en a fait? Mais Gary, maman Gary, papa Gary, fait un pile effort. Il a un nom. Il a un nom. Mais ça le fait avec lui. Après, ça passe Gary avec la peine là. Ça veut dire depuis ce moment rouge qui t'a dit que Gary n'a pas de travail avec nous. Il veut travailler avec nous. Puis Gary fait sacrifice comme nous tous là, Gary qui vivre. On n'est pas obligé de vivre dans le luxe. Mais pas de faire ça, pas de travailler avec nous. Après ça passe. Et est-ce que c'est une question d'expérience, d'éducation qui fait que on n'a peut-être un comportement d'arrivée?
pas quoi ça. Nous faisons un pays tout côté, nous mettons les gens qui font un pile d'efforts dans la précarité. Nous devons être vulnérables. C'est ça, la faillite. Expliquez-moi, nous mettons. Là, je dis, nous, les élites du pays, nous ne pouvons jamais arriver à construire un pays. Nous ne pouvons jamais arriver à construire l'espoir, consolider l'espoir. Nous avons des travaux qui sont précaires, c'est la précarité. Donc, le secteur privé en Haïti est très, très, très faible, pas de niveau de développement côté cadre. Il n'y a pas chercher travail. Ou pas dans des industries, etc. On a un système de acheter-revendre. Nous, on a des flibustiers qui là, il y a l'autre bord, il y a acheté, on vient vendre baou. C'est ça que fait l'université, on n'a pas capable de développer tout. Ou pas besoin d'une université performante pour acheter-revendre. Parce qu'on n'a pas d'un système économique vraiment pour faire recherche, pour faire développement. Non, il suffit qu'on fait opération. Yes, il suffit qu'on fait opération. Même à la vérité, c'est les gens vendent les produits de première nécessité. Il n'y a pas besoin de même de publicité. Les produits de première nécessité, elle veut dire faut m'acheter manger pour manger. Faut m'acheter ciment pour me construire. Alors, il ne s'est pas dit construire caille. Caille, c'est pour les gens. Il dit à construire des pièces. Mentalité encore. Oui. Des petits chambres. Des petits chambres. Et donc, c'est les produits de première nécessité. Alors, du besoin fondamental, nécessité, faire que mal acheté. Pas besoin de publicité pour ça. N'est-ce c'est juste pour qu'il y ait une bonne publicité. Pour participer à une sorte de manipulation du peuple à tout. Ou bien, il y a qu'un beau là. Mais pas besoin de tout ça. C'est gros machin, petit machin. Par exemple, si vous prenez Bidjou, la plus grande fortune d'Haïti, c'est gaz Iran. Il y a plusieurs bâtiments gaz qui entrent. Mais ma tante, même, il y a plusieurs bidons. Pas aucune différence, une différence de volume. Gros machin, petit machin. Lui va la bouffer, là va la boussimon, va la boussic, etc. Plus, il y a un monopole. Qu'est-ce qui va avoir un monopole là? C'est pas yo qui voulait ça, non? Alors, c'est pas parce que pour nous dire tout yo. Non, c'est pas ça. C'est VEO. Elle garde le ministère des Finances pour eux, si y a des gens de couleur là, qui là. Qui est Mulat, qui là. Elle garde le Parlement sur Mulat. Elle garde le consommateur des coûts sur Mulat. Il y a un paquet de samedi, il y a un paquet de VE mettre là qui pour assurer des monopoles. Non, c'est ça, mais comment conscientiser ces VE? Non, mais même pas qu'on est. Il faut une décrétion d'abord, mais c'est tout de l'âme, non. Il n'y a pas de cour de cassation, il n'y a pas de parlement, donc il n'y a pas de pouvoir exécutif. Et puis maintenant, c'est corruption dans un pays normal. La première explication, c'est que l'État, ça n'a pas les délits qui n'a pas existé depuis après Duvalier, n'est pas dans le quotidien peuple-là. Ce n'est pas lui qui permet le peuple à cycler. Ce n'est pas lui qui permet le peuple à vivre. Donc c'est ça qu'il faut, ouais, il n'est pas impacté la vie nationale. En seconde, bon, présentez-nous un moyen, montrez-nous un moyen ou bien un exemple clair vivant côté que l'État, dans une époque chaque ici. C'est ça. Si nous prenons sur Duvalier, nous prenons Duvalier de 57 à 1986. Et sur le territoire national, dans toute section, d'ailleurs, l'État était présent par l'intermédiaire des chefs de section. Mais qui était joué plusieurs rôles à la fois. Il est vraiment le chef. Et il représentait le président, il représentait la justice, il représentait l'armée. Il représentait la DGI, etc. C'est ça le chef de section. Mais chef de section, il fait la compagnie d'une quarantaine selon taille section, de 40, de 60, de 70. Le papa de chef de section, M. Teguignon, une soixantaine d'adjoints. Et puis lui-même, il s'est commandant. Et puis il y a un rapport direct chaque matin, chaque semaine, avec l'armée et le centre. Au niveau départemental. Et l'armée lui-même, il y a un rapport direct au niveau départemental. Dans l'État, c'est la communication. Ça veut dire presque en temps réel, le pouvoir central, il contrôle le territoire. Et en théorie, avec Weber, il dit au consacré, où il y a l'État, là, il y a une maîtrise des territoires. Et ce Duvalier, il y a une maîtrise des territoires. Et ça, plus important.
ou qui maîtrise des territoires, ou comme ça qui a passé dans le territoire. Non, l'autre pas les deux, comme si l'État présent dans le quotidien haïtien, de comprendre que c'était seulement à tous les niveaux, mais moi seulement présenté dans seulement contrôle espace-là. C'est ça. L'État, c'est parce que quand l'on parle de présent, c'est côté santé, côté éducation. Non, on a béni. L'État, c'est d'abord le contrôle. Santé, c'est un contrôle lié. Le contrôle sanitaire. Est-ce que la population a accès à des services de santé? Est-ce que les services de santé existent? Mais, d'abord, si on dispensait quelque part sur Duvalier, on n'a pas le travail. Normalement, on n'a pas le ponctuel. Parce que sur Duvalier, là ou pas ponctuel, ou pas là, on veut dire au compte Duvalier. Parce que l'État, alors c'est au compte Duvalier. Ou dans l'école, c'est l'école nationale, ou pas rivale. Ça veut dire au compte Duvalier. Non, alors c'est la dictature. Parce que Duvalier est Dieu, l'État c'est moi. Ça veut dire, et là, du compte Duvalier, on va faire peuple à soulever contre lui. L'humanité, ça veut dire, et l'État prend diverses formes, jusqu'à ce qu'elle prenne forme démocratique. Idéalisé à celui le monde entier à vivre là. Mais malheureusement, nous ne pouvons jamais vivre forme démocratique ça. Nous ne pouvons jamais vivre. Et de Dessalines dans nos jours. Dessalines pas de temps, monsieur Milat, tu es tué, monsieur. Donc, après ça, nous parlons d'un projet politique pour nous dire l'État tout bon. Et au point, ouais, dans le moment, je venais de parler de stabilité en pile, mais il ne pas t'expliquer le bien. Nous passons quatre gros moments en Haïti. Le moment de Boyer, c'était le moment de la consolidation, maintenant, des acquis de l'indépendance. Et ça fait le tout obligé d'occuper la République dominicaine. Mais Boyer, c'est 25 ans. Après Boyer, on gagne deux autres dans le pays, hein? C'est pas vrai. Et chaque département est autonome avec le général jusqu'à ce qu'on revient en 1915. Ça veut dire, pas d'organisation de l'État, pas de construction de l'État. En 1915, 1934, 19 ans, les Américains mettaient l'État moderne en Haïti. Ils construisent l'État moderne, ils ont l'État centralisé, ils ont l'État qui est capable de faire service et qui est capable de faire dans tout département, et sur le plan sanitaire, sur le plan scolaire, et sur le plan sécuritaire, ça veut dire que l'État ça a été présent. Mais, les Américains allaient, ils sont tombés dans des autres là, et puis maintenant, ou tomber un paquet de gouvernement éphémère, etc., ou vient tomber 57, 28 ans, la dictature. Dieu allait aller, qu'on a sorti de 86 à nos jours, 30 ans d'anarchie. Ça veut dire que ce n'est pas un pays qui a jamais gagné 20 ans pour l'organiser. Ça me dit extrêmement important. Et est-ce que Duvalier aller pendant 29 ans, pas de possibilité pour l'organiser? Oui, mais Dieu allait être hanté par un autre problème. Malgré les formés VSN, VSN, c'est volontaire de la sécurité nationale. Ce n'est pas VDN, le volontaire de la, pour le développement national, c'est volontaire pour la sécurité nationale. La sécurité nationale, c'est lui. Il est à la fois l'État et la nation. Il incarne l'État et la nation. C'est ça la dictature. Mais il a commencé à faire coup d'État, parce que nous-mêmes, nous avons une pulsion. Pour se protéger, les ressources du pays, c'est pas vrai? Concentrer, même pour conserver le pouvoir et pour le battre tête et sa famille sécurité. Donc, pas d'investissement maintenant en termes d'infrastructure, pas d'investissement en termes d'éducation, surtout en termes d'éducation, parce que c'est à cette époque que les pays de l'Amérique latine ont fait de gros investissements, et bien, ouais, sur le plan éducatif. Ça vient de faire que il y a des hommes qualifiés, il y a des ouvriers qualifiés. Et parallèlement, c'est un mouvement d'industrialisation. Que nous commençons, mais pas nous, c'est toujours des mouvements inachevés. Que nous pas fait sur Duvalier. Duvalier allait. Mais quand c'est là, de là, on n'a pas Duvalier allait, puis quand c'est là. Hein? Les métastasés dans tout le pays. Et puis nous fait 30 ans d'anarchie. Voilà. Ça important dans la situation que nous vivons là. Nous pas jamais gagné le temps pour nous construire un véritable État. Mais l'État, ce n'est pas seulement une présence militaire, une présence policière. L'État, c'est un système. Un système
et bien monté, bien connecté, harmonisé, cohérent. Avant le président, moi, je me dis, président, pourquoi on n'est pas de l'État? C'est pièce qui est là. Je dis, comment pièce? Je me dis, si on prend un véhicule, on démonte toute pièce, on met dans un sac, on n'a pas un véhicule encore, on a un sac pièce. C'est exactement le cas ici. Toute pièce là, mais pas de montage qui fait. Pas de harmonisation. Or, même le principe théorique, il y a deux bagages qui sont importants. Ici, nous toujours parlé d'une seule. C'est le principe de la séparation des pouvoirs à l'intérieur de l'État. Parce que l'État, le chef de l'État, c'est le chef des trois pouvoirs. Bah ouais. Mais en même temps, le plus important, ce n'est pas la séparation des pouvoirs, c'est le principe de la collaboration entre les pouvoirs. Sous prétexte de bataille politique, etc., nous toujours prenons le terme séparation. Théoriquement, nous quittons collaboration. Or, c'est collaboration, pas le bon cohésion. La cohésion au niveau de l'État, entre les trois pouvoirs d'abord, et puis maintenant les appareils d'État comme la police et la fiscalité, la justice, etc. Dans quelle période la population a senti que l'État n'est pas présent? Vous avez expliqué, pendant 29 ans du Valier, vous avez senti l'État présent, l'État dans le quotidien. Dans quelle période, peu après le départ du Valier, vous avez senti que l'État n'est pas présent dans la vie quotidienne citoyen haïtien? Vous avez senti l'État n'est pas présent après Préval, surtout après Préval 2. Mais avant ça, c'est pas présent, c'est présent. Parce que vous tenez une sorte de métamorphose côté entrer dans un processus de dégradation. Vous parlez plus de ces délinquants qui étaient là autour des de chefs d'État, d'Aristide 1. D'Aristide 1, à Jovenel. À Jovenel, a dit la clientèle politique, ce ne sont pas les citoyens qui se respectent, ce sont les délinquants. Jusqu'à ce qu'on arrive avec maintenant le programme de suite Mickey Michel Martelly, le banditisme légal. Sans le vouloir, maintenant, on vient légaliser, officialiser, maintenant, et ça n'est les délinquants, avec le banditisme légal. Préval fait deux mandats. En plus, on oublie ça. C'est pas parce que Préval est intelligent. Blanc est là, Mani, Minuya, Minista. Après, du pays a été occupé. Pour occuper le monde. Après la dictature, tout le monde a été mandat, c'est avec présence blanc. Mandat journal l'a gaspillé parce que blanc va là. Parce que leur journal fait monter, il y a deux courants autour du journal. Un courant soi-disant nationaliste, qui dit les pour blanc ou aller, il y a dit au pas pour là. Ou le courant plus ou moins pragmatique qui te dit ah, qui t'a pis bon, que nous fait mandat avec blanc et puis nous préparer un départ ordonné. Mais, nous finissons l'armée, nous finissons la police, les institutions républicaines, nous finissons mettre sous pied. Malheureusement, vous songez tout incident qui était venu avec le représentant des Américains qui était représenté, je crois, un ministre. Et puis ça finit mal. Que l'ONU n'est pas content, les Américains n'est pas content, ça qui passe. Que le journal va le payer très cher. Ça veut dire, pas gain l'État vraiment après Duvalier. Aristide 2, c'est 7 mois, l'armée reprend le pouvoir. Là, s'il retourne à Aristide 2, c'est les Américains. Pas qu'il était pour moi, non, ici. Quand est bien vous. Aristide 2, 7 mois, après Duvalier, l'armée reprend le pouvoir encore. Lorsque l'armée fait trois coups d'État, entre le départ de Duvalier et maintenant l'arrivée d'Aristide, on a eu trois coups d'État. Aristide 2, l'armée, me répétait le Foumounio. L'armée, après 7 mois, l'armée reprend le pouvoir. Donc, Aristide 2, c'est les Américains qui viennent imposer. Et depuis là, les Américains, à travers les Nations Unies, ont été là, ils ont fait le Brésil, fait un exercice là, tout, etc. Et puis maintenant, les étrangers sont partis, et puis, ils tombent dans le tchouboum. Jusqu'à l'assassinat des Jovenel. Donc, mon cap bon menti, il dit, il a fait conférence, Montana, ceci, c'est là. N'a venu sur question ça, nous toujours compte dans la présence de l'État dans le quotidien et haïtien. Et est-ce que haïtien c'est lui qui crée ou bien l'accepter de fait que l'État n'est pas présent? Comment arriver à accommoder la question ça selon même? C'est un constat. Et c'est là où on peut comprendre la résilience haïtienne. C'est là où on peut comprendre la résilience haïtienne. Et pour occuper de ça, ça c'est où l'on va faire radio, parler de l'État.
l'Europe fait radio, paysan fait que je suis entré bœuf lui. Dans le pâturage. Le matin, si il y a radio lumière de fer ou bien Guinée, bah, même c'est bœuf lui, dans le jardin. L'État va dire un boulot. Non, sauf l'Europe, il y a une élection.